Podcast de série Zoochrone, la saison 5. Présentation de la série. Les réalisateurs sont Peter Morgan et Stephen Daldry. Les acteurs principaux sont Imelda Chanton dans le rôle de la reine Elisabeth II, Jonathan Pryce dans le rôle de Philip Mountbatten, le mari de la reine, Dominic West dans le rôle du prince Charles, Elisabeth Debicki dans le rôle de Diana, princesse de Galles, la femme de Charles, Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker Bowles, Johnny Lee Miller dans le rôle du premier ministre John Major et Sennan West dans le rôle du prince William. Les épisodes font entre 54 et 61 minutes, il y en a 10 dans cette cinquième saison. Je lui ai mis la note de 5 sur 10. Le résumé. Diana et Charles se livrent une guerre médiatique, la monarchie se fait chahuter. Bienvenue dans les années 90, période très difficile du règne de la reine Elisabeth. Ce que j'ai pensé de cette cinquième saison. Cette cinquième saison est, pour moi, la moins bonne de toutes sorties à ce jour. Nous sommes dans les années 90, la reine connaît de nombreuses difficultés durant son règne, avec, entre autres, le divorce de 3 de ses enfants. Comme d'habitude, le jeu des acteurs, qui sont régulièrement renouvelés pour permettre de voir l'évolution en âge de la souveraine, est très bien. J'ai particulièrement aimé l'actrice qui incarne la princesse Diana. Nous découvrons de nouveaux protagonistes comme le prince William. Les intrigues des épisodes sont très sombres et dépeignent les difficultés que rencontre Elisabeth II durant cette décennie. Néanmoins, la reine est moins présente que dans les saisons précédentes, ce qui est dommage. On peut voir toute la cruauté de la presse et surtout les journaux à scandale à l'encontre de la famille royale, notamment Diana. Les décors sont très beaux. La fin donne très envie de savoir la suite et de voir le dénouement de cette série. J'ai noté des longueurs. En bref, une suite en demi-teinte. Les points forts de cette série, le jeu des acteurs, l'intrigue, les décors et la fin. Les points faibles de cette série, les longueurs et le fait que l'on ne voit pas assez la reine. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !